Belle bonjour, Momaï. Belle bonjour, tout le monde. Nous, de votre tribunal de Guinée. Il est 14h. Ben, les 7 prévenus, les 7 Martiniquais, que vous convoquez aujourd'hui, hein, et bien la foule martiniquaise là pour accueillir vous, pour bailler pas là, pour bailler force là. Et donc la porte là, tu m'as bloché. Parce que Martinique là, pour porter force, porter coller les épaules, coller tête. Ma Martinique est convoquée. Donc nous sommes bien là à 14h devant le tribunal. Venez ce soir de France. Et tu as attendu que 7 jeunes qui ont demandé. 7 jeunes qui ont demandé. Voilà. 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 Voilà, voilà. Une réception au café. Après la commencé dans le tunnel. Voilà. Nous en direct. Nous en direct. Donc, nous avons un tribunal de renaissance pour cette jeune Martinique qui a convoqué aujourd'hui. Hein. Et puis, la population martiniquaise descend en masse. Eh bien, pour garder ça qu'a fait, encore une fois, pour porter soutien, pour coller les têtes, coller les épaules. Tout très clairement dit que c'est frère nous qui là, c'est ça nous, c'est maman nous, c'est papa nous, et que nous là on soutient. Nous là on soutient, et nous qui nous là. Mais que quand les gaz lacrymogènes nous ferment la porte là, alors que c'est simplement un procès de cette jeune, et que nous pas armés. Donc voilà, voilà, faut que tu attendes à ça, hein. Pour les Martiniquais, tu descends en match, tu vois. Que tu attends voyou à ça. Mais tu penses que nous pas quelqu'un qui sait que frère nous, c'est nous. Allez-y, allez. Hey, faut que tu prennes la vie. Voilà. Voilà la conséquence. Les yuka abusé dit la force autorité et les enfin Martinique a décidé que eh ben, l'autorité c'est nous, l'autorité c'est pas autre. Donc le cabré gaz lacrymogène, le cabré boule lacrymogène, pas ça y est. Car vous autres que c'est la première fois que je suis comme un camarade en ambiance pareille, le cabré gaz lacrymogène. Et nous là. Voilà l'ambiance. Donc, je vais dire que Martinique est devant le tribunal de renaissance. Voilà le bâtiment de l'État. Le bâtiment de l'État français qui a décidé aujourd'hui de convoquer cette jeune Martiniquais qui défendait la santé de Martiniquais contre l'empoisonnement au corps des corps. Et la réponse c'est ça. La réponse c'est donc porte fermée, porte close et puis des bombes, comme vous les filmez, des bombes qui sont lancées. Mes amis les camarades, on nous parle aussi, on nous parle à répondre à la provocation. Nous avons rassemblé nous pour appeler avec les camarades du comité, avec les avocats. S'il vous plaît, on nous propose le rétro-point texte pour mettre une cause. Nous avons rassemblé nous et nous passons le point. Nous avons prié pour nous parler avec le combat.
révolution. Par la femme, ne répondez pas. Non, non, non. Les camarades, nous arrivons au niveau. Nous conquérons ce que nous pouvons répondre. Nous calculons pour nous. Attends. Voilà, donc oui, nous devons le tribunal de renaissance Fort de France. Bah, donc à répéter, le 17 jeune Martiniquais convoqué pour répondre à une insoumission. Parce qu'il y a une école d'année Martiniquais qui a lutté contre le crime. Contre le crime de l'empoisonnement martiniquais. Nous sommes devant le tribunal de renaissance de Fort-de-France où sept Martiniquais ont été sortis de chez eux, manu militari, traînés, mis en garde à vue, interdits de manifester devant les centres commerciaux et convoqués aujourd'hui pour répondre à leur insoumission, à l'insoumission du peuple martiniquais face à l'empoisonnement de notre terre. Des générations, pour ça l'empoisonnement de nos enfants, de nos parents, de nos frères, de nos oncles, de nos papas, de nos mamans. Aujourd'hui, ben, les gens sont dans la rue pour venir soutenir, pour venir dire non à ce deux poids deux mesures, parce que véritablement empoisonneur là, ben, on va faire rien, on va pas condamner, on va pas convoquer. La porte a fermé. Finalement, ils mettent un car aux gendarmes devant la porte là. Des frères, des sœurs qui étaient simplement venus porter soutien, porter balle à cette Martiniquais convoquée. Qu'est-ce que les gens croyaient? On allait laisser simplement nos frères là aujourd'hui être convoqués sans venir leur porter soutien, être... C'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils croyaient? Donc on a une véritable armada de guerre. Hein? Je vous les montre, hein? Armés jusqu'aux dents, je vous les montre. Voilà ce qui nous attend. Voilà ce qui nous attend lorsque, de manière solidaire, de manière fraternelle, nous venons donc que nous soutenons nos frères qui sont injustement arrêtés. Voilà ce qui nous attend. Nous attendons.
Voilà ce à quoi la population martiniquaise doit s'attendre lorsque elle dénonce, lorsqu'enfin elle ouvre les yeux, lorsqu'enfin elle dit non à cette injustice, à ce deux poids deux mesures. Où sont les gens qui nous empoisonnent? Ils ne sont pas là. Il faut avancer. Je ne sais quelle raison qui a avancé vers nous. Pour voir comment les gens sont armés, comme si nous étions en guerre. Simplement parce que des jeunes. Donc là, tout au fond, vous voyez, je ne sais pas si vous allez le voir, vous voyez donc Axel, Lulu, Kevin, vous voyez tout au fond, là ils sont entrés, ils ont des avocats avec eux. Volcan aussi est là, ils ont des avocats avec eux, donc ils sont entrés. Et d'ailleurs, on empêche la population de venir assister au débat, des débats qui ne sont pas d'ordre privé. Et au début, les gens sont arrivés très pacifiquement, simplement pour assister au procès comme ça se fait partout ailleurs. Voilà la démocratie. Voilà ce qu'on nous propose. Ben, l'autorité désormais va changer de camp. L'autorité désormais doit s'affirmer. Chercher et trouver. Donc, d'après ce qu'on a compris, ils s'apprêtent à se préparer à charger. Mais là, ils sont enserrés. Il faudrait qu'ils m'expliquent. S'il m'arrive quelque chose, il faudrait qu'ils m'expliquent en quoi est-ce que moi, je ne peux pas descendre sur le bord de France cet après-midi et assister cette jeune. Pourquoi est-ce que je ne peux pas entrer? Qu'est-ce qui fait que je ne peux pas entrer? Peut-être qu'on m'explique ça. C'est quoi cette démocratie? C'est quoi ce nouvel État? C'est cet État que nous avons toujours connu et contre lequel nous ne sommes jamais véritablement opposés. Il est temps. Les choses changent, les choses bougent. Continuer à nous empoisonner avec le chlordécone. C'est une manière de dire que nous ne sommes pas d'accord, que l'on essaie d'incarcérer, d'intimider, de manipuler, d'impressionner, de faire pression sur les personnes eh bien, qui décident de descendre pour porter leur soutien à leurs frères. Nous sommes une seule et même famille et nous devons nous soutenir. C'est ce qui est en train de se passer là aujourd'hui. Le camarade, la prochaine de cette candidature, 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 la prochaine de cette candidature,
Oui, alors je rappelle que nous sommes dans le tribunal de connaissance de Fort-de-France. Cet après-midi à 14h, donc 7 de nos frères étaient convoqués par le tribunal pour répondre à leur position concernant le nom, le gros nom qu'ils ont dit à notre empoisonnement chlordécone. Donc nous sommes arrivés à 14h devant les portes fermées avec des policiers, la police nationale, on va dire armée jusqu'aux dents, empêchant donc au soutien à ces 7 frères d'entrer, hein, lançant effectivement des boules de fumée, je ne savais pas ce que c'est, en tout cas qui brûlent les yeux, je suppose que c'est du lacrymogène, du gaz lacrymogène. Donc à l'intérieur, j'ai vu 3 ou 4 parmi eux, je suppose qu'ils sont tous à l'intérieur. Dehors, donc on a empêché à la population d'entrer, en tout cas au soutien d'entrée. Là, les gens sont là. Donc, prise de parole, tambour, et puis bien sûr, l'incompréhension hein, devant ces portes fermées. Pourquoi des portes fermées? Qu'est-ce qui explique que les portes sont fermées? Qu'est-ce qui explique que ben, moi, Martiniquais, je ne peux pas rentrer dans un tribunal où des frères sont librement convoqués et devront donc s'expliquer sur le refus de rester passivement là à regarder leur famille mourir et qu'ils ont décidé effectivement de réagir. Quel que soit le type de réaction qu'ils auraient préconisé, la violence que nous subissons, la violence de l'empoisonnement, la violence de cet état de poids de mesure, la violence de cette transitorité, mais nécessite inévitablement une réaction. Voilà, donc devant le tribunal de connaissance de Fort-de-France, 7 de nos frères sont convoqués cet après-midi parce que tous les 7 sont sortis de leur lit très tôt le matin, bousculés, mis en garde à vue, interdits de manifester devant les centres commerciaux, interdits de montrer qu'ils ne sont pas d'accord avec notre empoisonnement au chlordécone. Empoisonnement au chlordécone que nous subissons depuis un moment sans que personne ne lève le petit doigt. Certaines associations, effectivement, se sont battues, obtenues, par exemple, zéro chlordécone, zéro poison, obtenues la gratuité du test. C'est grâce à ce combat qu'ils ont mené, d'abord en négociant avec les laboratoires, ensuite en baissant les prix et finalement en obtenant aujourd'hui que là, ils cherchent. Les policiers cherchent la provocation. Cherchent la provocation. Là, ils sont là. Je vous l'ai montré. Hein. Et je ne peux pas comprendre. Vous ne pouvez pas museler toute une population. On ne peut pas empêcher une population de dire qu'elle ne veut plus être empoisonnée. Ça n'est pas possible. Ça peut quitter nous empoisonner, ça peut nous fermer bouche, nous. Ce n'est pas possible.
Vous avez convoqué sept timons nous, vous avez nous pas dit rien, ça pas possible. Mais c'est vrai que nous étions tellement longtemps silencieux, tellement longtemps passif, que vous comprenez que nous étions morts. Hein. Que ça peut être étonné que nous ne sommes pas morts. Que la famille martiniquaise qui a mis le goût. Et puis il a dit qu'il n'est pas d'accord. Et qu'il a dit ça après-midi en masse. Qu'il a dit en nombre. Ben, c'est un premier pas. Il faut prétendre que c'est un premier pas. Que la famille martiniquaise, parce qu'elle a quitté, détruit frère, détruit ça. Mais il a levé la filialité. Il a viré les mains de manière plus vive. Il était temps. Faut voir, hein, je vais vous montrer encore. Voilà ce qui nous attend. Voilà ce qui nous attend. Voilà ce qui nous attend. Donc devant, juste sur la droite, je ne sais pas si vous allez voir, il y a les sept frères là. Et voilà. Je mets ce plan en l'air, puis c'est le glas devant. Vous voyez les sept frères là, sur la droite, Tilulu, Axel, Kevin, Volcan, etc. Ils sont là. Et derrière, on est en train de voir, le frère fait se remarquer que dans le lot, on a mis les necs devant. Regardez. Les necs sont devant, là. Et puis les blancs sont là. Foutez ce blanc devant. Foutez ce blanc devant. Vous avez les necs devant et les necs. On va mettre ce blanc là, laissez-le. Je suis à Nicaragua. On va mettre ce blanc là. Hey! Tu sais, là, vous êtes ce blanc là, vous êtes ce blanc là. Hey! 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 Le château de Calahome, la photo de la mort. Regarde le mandat de ton mari, il va voir ce qu'on a. Ça va être un peu moins. Là, c'est pas ce j'ai perdu mes lunettes dans leur connerie. Je veux savoir comme les témoins, on ne les fait pas rentrer. Je suis témoin, on ne me fait pas rentrer. Ok, on m'empêche de rentrer. Tu es témoin dans la fuite. On t'empêche de rentrer. On m'empêche de rentrer. Ça veut dire que le procès n'aura pas lieu. Ça veut dire que le procès n'aura pas lieu. Parce que le bordel est là, il opère en même temps. Vous cherchez, vous trouvez. Ils attendent par les victoires de Cône. Victoire Cône de Cône, ici à Yé, Mamaye. Victoire de Cône, ici à Yé. Pas hésiter, venez jeunes nous. Venez en l'aide, venez Fort de France et puis nous devons le tribunal de grande instance, Fort de France, où sept frères t'es convoqué après-midi à, pour te répondre à position, yo, parce que ils n'ont pas d'accord, ils ont lutté pour que justement la population martiniquaise sorte dans affaire Cône de Cône de manière nette, précise, définitive. Et ces frères t'a que la population martiniquaise vient nous soutenir, et bien, yo, pas quitter nous, pas quitter entrer la porte fermée, plein de gens d'âme, jusqu'au dans le cas des gaz lacrymogènes, les boules lacrymogènes, depuis des heures devant les manifestants. Même les témoins prévus, on va pas toujours rentrer, sauf que Guylaine montre qu'il a été mis en convocation et qu'il n'est pas rentré. Il a fait pression.
là après à charger ma plusieurs qui chargé hein là après à charger mieux là après à charger gayo quand on c'est mon qu'a convoqué frère nous et qui a pensé que nous pas tirer là après midi à et puis dans le fond là donc ouais donc les frères qui là dans le fond Axel Lulu Yondé mon qu'a autant bisou aussi de tribu entrée yo là mais au vu du monde il y avait la radio là ça a été des mots que pour cette fête. Vous cherchez, vous trouvez. C'est vrai que ça a fait un moment hein, que nous attendons passivement que les élus, que la force autorité étatique, nous attendons depuis un moment hein, que nous faisons un bagaille, que de loi, etc. Mais finalement, rien n'a pas fait. Il y avait de plus en plus de manifestations qui ont monté, de plus en plus d'organisations qui ont fait, de plus en plus de prises d'opposition qui ont fait, de plus en plus de colère qui a monté, de plus en plus l'autorité qui a affirmé. De plus en plus la famille qui a lié, de plus en plus la famille qui a mis au conséquent. De plus en plus. Et puis nous, l'après-midi, il n'est pas question que, parce que des frères, parce que des frères, le monde positionné comme le peuple de l'école de l'école. Quand il va finir déjà dans l'état ça. Audience public! Audience public! Audience public!
Audience publique. Audience publique. Audience publique. Nous avons négocié, c'est avocat qui a demandé que ça la plaigne. Ça la plaigne, c'est 40 personnes. C'est même pas d'accord. Audience publique. 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 Mais la salle de bien sûr que je décide comme que faire en privé si vous n'êtes pas d'accord. Hein? Pour qu'il s'est tant de mal ça qu'a dit. Une trentaine de personnes avec en plus les prévenus et les témoins. Je demande une trentaine de personnes, quel que soit ce que vous choisissez. Il n'y a pas la place. Mais bien sûr qu'il soit inférieur. Ah, mais voilà. Voilà la passerelle. Ça va et puis les étendants. Nous devons le tribunal de grande instance de Fort-de-France où cette frère est convoqué après-midi pour passer devant le tribunal et puis avocat. Et puis effectivement, il y a la population, le frère Martinique qui descend pour te soutenir. Sauf que devant la masse, il a décidé simplement de fermer la porte là et puis filtrer, pour faire mon nom entrer au compte-goutte. Alors, avocat a venu, maître Germani a venu négocier pour dire qu'il négocie. Et que comme il manque 30 personnes dans la salle et que c'est en audience publique, donc il a accepté que 30 personnes entrent. Si vous n'êtes pas d'accord, il dit que tout le monde n'a pas entré pour le final. Que c'est en audience publique, qu'il était public, c'est tout. Mais même si il était des rois, que tout le monde n'a pas entré par des raisons, qu'il n'a pas entré devant le tribunal. Et ça, c'est en. Il y a ceux qui ont en auto.
qui essaie de négocier, puis c'est bon, on peut dire que 30 minutes vont rentrer, mais c'est bon, on va d'accord. Voilà, donc nous dit la vie à mer. Il bloque pas tout le monde. Il bloque pas tout le monde ordinaire là. Voilà, c'est un gymnastique pour nous mettre la police en retour pour empêcher de nous entrer. Attends, les gars, attends, attends. Garçon, allez là, sortez là, les gars, descendez. Dis-lui, c'est sorti là, dis-lui, c'est sorti là, ben chaud. Dis-lui, sorti là. Attends, attends. Dis-lui, sorti là, c'est pas moi. Regardez, sorti là, les gars. Garçon, descendez. Les gars, arrête. Voilà, donc nous devons au tribunal de renaissance hors de France. Hein. Bon ben il n'y a pas encore décanté. Les choses ne se décantent pas parce que bon ben M. Germani et puis Garcia Masson ont tenté de négocier pour répondre à des demandes. C'est-à-dire que 30 personnes supplémentaires peuvent remplir la salle. Mais bon, les gens n'ont pas accepté. L'audience est publique, qu'elle soit publique. Pas d'accord pour qu'il y ait un filtrage de personnes, que l'audience soit publique. Même si tout le monde ne peut pas entrer dans la salle, mais tout le monde a un accès, a droit à un accès au tribunal. Et je crois qu'ils défendent ça. Et de mon point de vue, c'est une position qui se défend. C'est une position qui se défend. Puisque les jeunes frères sont convoqués, le soutien, ben, il est légitime. Et il n'y a pas de raison parce que parce qu'on a purgé le boudin, comme on dit chez nous, de la famille martiniquaise. Et c'est un petit peu normal. Il fallait qu'ils s'attendent effectivement à ce que la population martiniquaise descende et puis soit là, hein, soit là pour défendre ses frères. C'est un petit peu normal. Je vous fais lire un petit peu le panneau, hein, que je vois là, là. Maintenant, on a pu l'éviter. Empoisonné, illégal, le dénoncé, c'est réprimé. Voilà, les choses sont claires. Les choses sont très claires. Voilà, il n'y a pas photo. Donc je répète, hein, tous les Martiniquais, tous ceux qui peuvent descendre nous rejoindre à Port-de-France, n'hésitez pas. Le combat pour le cœur de l'économie, il est là. Le combat pour le respect de la dignité de la personne humaine. Le combat pour le respect de la personne humaine, mais ce combat-là est là. Il est là. Et ça fait que ça fait un moment que j'ai pris les barrières. Excusez-moi, mais moi, pourquoi la barrière a tombé? Pas de barrière. La barrière, c'est pas nous. C'est pas entre nous que la barrière doit être. La barrière, c'est eux. On ne peut pas nous empêcher d'accéder au tribunal. Il n'y a pas de raison pour que moi je n'accède pas au tribunal cet après-midi. Il n'y a aucune raison pour que je n'accède pas au tribunal. Alors que simplement je vais porter mon soutien à des frères qui sont convoqués cet après-midi. Il n'y a pas de raison à cela. Donc il y a forcément... il y a forcément des choses qui ne fonctionnent pas. Il faut les faire fonctionner, sinon vous aurez ça. Vous aurez ça, mais de plus en plus. Hein. Pourquoi vous entendez hein? Regardez autour de moi, la population autour de moi est jeune, encadrée par quelques anciens, mais c'est une population.
pas, venez nous rejoindre. C'est ensemble que nous faisons. Je rappelle que vous pouvez encore nous venir nous rejoindre sur Fort de France. Je pense que nous serons là pour un petit moment. Vous pouvez nous venir nous rejoindre sur Fort de France. Pour ceux qui sont là. Parce que nous avons sept frères qui sont convoqués cet après-midi et qui doivent répondre simplement de leur manque de passivité devant le crime. Devant le crime chlordécone. Devant le crime chlordécone, donc car l'église s'attend à ce que les Martiniquais soient là en masse, on aurait dit qu'ils sont étonnés. Donc là, ils sont là, armés jusqu'aux dents, faut voir, hein, mais ça c'est impressionnant. Dans un état de droit, liberté, égalité, fraternité. État de droit. Voilà la réponse que l'on donne aux Martiniquais qui sont venus. Alors, frère, simplement parce que on n'est pas d'accord. Faire des frères, sept frères soient sortis de chez eux. Traîner, mise en garde à vous et convoquer cet après-midi simplement parce que, à leur manière, ils ont voulu dire que, ben, il est temps de réagir contre cet empoisonnement au chlordécone. La réponse, c'est à leur convocation cet après-midi. La réponse de la famille martiniquaise, bien sûr, leur présence. Bien sûr, ils ont fait nous courir parce que, dès que nous sommes, nous avons des antiques à brûler. Mais ça peut. En dehors de ça, nous pouvons supporter. Faut que ça que nous parions à supporter. Donc, Benjamin est venu tout à l'heure. Hein, il est venu pour dire. Il est venu tout à l'heure pour dire que 30 personnes pouvaient entrer. Que l'audience commence en toute liberté. Mais les gens ne sont pas d'accord. C'est une audience libre. Donc, ils ont clairement dit que pas ni audience privée, sans audience publique. Et il y a là qui attendent que l'audience soit publique. C'est là. Le cabanon, la pyrogène. Voilà. Martinique est devenu un état de guerre. C'est quand même assez extraordinaire. Mais, maman, descendre, c'est parce que c'est ensemble hein, que nous avons mis fin à tout ça. Il faut que l'autorité martiniquaise affirme quoi. Il faut que la famille humaine martiniquaise affirme quoi. Ils sont tous là en face de moi, mais c'est les Martiniquais qui l'ont. Hein. C'est Martinique qui l'a. Il y en a l'autre, venez pour l'autre, venez pour l'autre. Pas hésiter pour les gens qui travaillent, les gens qui sortent en travail, venez jeunes nous. Plus qu'il y a des gens, plus nous qui fait courser, nous comprenons que nous pas accepter n'importe qui ça et que nous pouvons aller faire une freine. Allez, Gabi, Gabi, voilà, allez, allez, salope, Gabi, 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 voilà. Il donne bien moyen là, tout le monde.
bombarder nos lacrymogènes. Elle a bombardé nos lacrymogènes. Son véritable arme est bien là. Nous sommes en guerre. Pourquoi pas? Que pour une audience, que pour des soutiens. Que pour une audience, que pour des soutiens. Et que nous ayons ce résultat-là. Hey, les gars, on a tout terminé. Sorti bien, bien fâché. Ça va faire des attentes à une réaction. Comment dire, Martinique, c'est un véritable spectacle de guerre. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Tribunal de connaissance de Port-de-France.
c'est l'impôt nous payer tout ça. Le gaz lacrymogène là. La. Voilà. Devant le tribunal de grande instance. Devant le tribunal de grande instance de Port-au-Prince. La population martiniquaise, la famille martiniquaise qui est venue porter soutien à sept de ses frères. Et puis voilà le résultat. Bombardé. Il y en a rien de gaz lacrymogène. Armée jusqu'aux dents face à une population qui est venue simplement, pacifiquement. Ils envoient des gaz. Mais il ne faut pas renforcer. C'est pour ça que je dis que tous ceux qui peuvent venir nous rejoindre, venez nous rejoindre. N'hésitez pas, venez nous rejoindre. La réponse au chlordécone, elle est là cet après-midi. Elle est là devant la force de la population. Elle est là. C'est ici la réponse au chlordécone. Pas hésiter, maman, venez jeune nous. Petit, vieux, grand, vêtement, avorté, matrice, venez jeune nous. La famille martinique, elle est là. La famille martiniquaise a besoin de soutien. La famille martiniquaise doit donc résister. Résister face à l'oppression, face aux deux poids, deux mesures. Mais voilà, les empoisonneurs ne sont pas là. Et c'est la famille martiniquaise qui souffre, qui pendant des générations aura son sol, ses enfants, sa famille, sa maman, papa, frère, s'est empoisonné. Et puis les réponses, c'est épilé pour nous. Propre réponse, c'est épilé pour nous. Le café. Voilà. Tout le monde, toute la population martinique est là. Donc, si moi là, ça veut dire que toute Martinique est plus debout là, parce que moi là, pour me couiller chemin, moi j'ai 4 timoun, en tout cas, mais que ces 4 timoun moyens, eh ben, ils respectent eux, qu'ils peuvent travailler avec eux, qu'ils peuvent travailler librement, et si eux, les qui qu'ils qui ailleurs, mais qu'ils peuvent librement travailler avec eux, qu'ils ont droit à la parole. Et ça, c'est ça nous la capette là. Et puis c'est moi qui empoisonne nous, et puis là, nous essayons de défendre quoi, nous, quand ils nous fermer, je ne parle pas d'expression parce qu'il est trop vulgaire. Mais cette expression, nous, regardez, nous fermez bouche, nous fermez jol, nous, quand ça nous va être et puis là, descendre, maman, descendre dans la rue de France. Moi, nous avons le tribunal de grande instance de Fort-de-France. Et en France, c'est pour ça qu'il parle. Je suis devant le tribunal de France. Moi, c'est un maman ish. Moi, c'est un martiniquais. Il m'a estimé que ça qui a fait là, après-midi, eh bien, c'est la famille martiniquaise. C'est toute la famille martiniquaise qui est en danger. Parce qu'il n'est pas normal que devant. Convocation, quatre frères, sept frères plutôt, qui après-midi a été convoqué pour te répondre soi-disant à. À ce qui fait. C'est pas normal. C'est pas normal que ce spectacle là manque à ouais après-midi à manquer simplement venu porter soutien moi à cette Martinique. C'est pas normal scène de violence là, scène de guerre là que nous avons vécu Martinique. C'est pas normal. Faut que ben là a changé et ben là qu'elle peut changer si nous plaisions là nous peut-être que ça m'a pas ni les chiffres nous quand même en bon grappoun pour kawaii mais manque à répéter que si mon pays être là le monde peut être là mon pas plus courageux que personne mais manque à sortir dans le pays. On va pas gagner du ballon encore parce que le gars a tué moi. Mais si moi là, toute Martinique peut être là. Toute Martinique, tout le monde qui a senti concerné par santé, santé maman, yo, frère, sœur, tout le monde qui a senti concerné par deux poids, deux mesures, la peine, qui a subi tous les jours. Tout le monde qui a senti concerné par le fait que tu ne peux pas travailler Martinique, que
tout directeur Martinique blanc, que tout chef Martinique blanc, que c'est Timon Baynou, les néo titulaires qui a fait en France dans des zones, des marchés extraordinaires, et puis qui a fait tout le monde rentrer, et puis qui a fait au parti, ça pas normal, à compétence égale, eh bien, c'est priorité en Martinique, quand il a fait Kayo, ça pas normal, car dans l'enseignement agricole, nous n'avons pas qu'à bon ajouter là. Zot sav sa ki ka pase LPA Aube, zot wè sa ki pase lèk ta kwa rive a epi ou or. Donc nou pe pa rese la silansye, mais réponse sans fin, yo ni. Il faut pas sentir réponse après-midi à fòk sans réponse, et puis encore plus fort, plus massif. Chaque qui apprend un petit peu de lacrymogène, il faut que courage puis souffler pour continuer à rester en direct là, l'épisode. Je vais peut-être obligé d'arrêter direct là parce que j'ai du mal à respirer. Mais je vais faire appel à Vini en les Fort de France. Nous devons le tribunal de grande instance de Fort de France. La réponse n'est pas là. Tout le monde peut venir, tout le monde. Je dis que là, il est grand, petit, moyen, il est tout calcé. Tout calcé peut venir là. Il est grand, il est petit, il est tout calcé, catégorie de monde. Je dis que je ne suis pas plus courageux que personne. Si moi là, tout le monde peut être là aussi. Qui me laisse vous en parler, ils ont les convoqués 7 frères nous, et puis ils ont parlé nous du bout de votre tribunal là, pour montrer que nous pas d'accord sans autre café. Donc les gaz lacrymogènes à profusion, ils ont pas qu'à finir vous voyez. Ils ont mis en liste d'une baguette là à l'intérieur là, ils ont pas qu'à finir vous voyez. Allez, vous voyez. Ils étaient ça, ils étaient conscients de ça qui était passé après-midi. Vu le nombre qu'il a, vu la manière armée, vu tout le masque qu'il y a, tu es conscient. Si vous n'avez rien à faire là, ne restez pas là. Je vous en prie, vous allez être blessé. Rentrez chez vous ou alors mettez-vous plus loin. Je vous en prie. Merci. Pour votre sécurité. Alors, il y a un petit jeune qui vient dire, pas rester là. Pour ma sécurité, pas rester là. Allez plus loin. Je vais écouter. Attention. Voilà. Martinique transformée en scène de violence. Il y a une chose qui se rembaye, qui est sûre. Je finis où Christian Logis des jeunes finit, dis-moi bonsoir. Je vais Lulu de Wa tout à l'heure. Je vais Lulu aussi tout à l'heure. Je vais Axel. Qui vous demande pas, ouais, mon ouais, volcan. Le premier bail qui est presque sûr. C'est que nous prenons l'autorité après-midi. Ça, c'est un bail qui est presque sûr. Je paye à tout bout, quand je montre la population ce qui a passé là. La répression. Pouti, parce que nous avons goûté contre empoisonnement pour le chlordécone et tous les jeux de la Martinique, ni problème. Alors nous avons demandé, Martiniquais, Martiniquaises, mobilisez contre nous.
nous pas dans pays répression. Yo le que peuple martiniquais quitte Martinique pour remplacer Martinique par étranger. Nous ka dit nous assis là et nous ka goumen ba pays Martinique, nous ka goumen bâtiment may nou. Ich pays a Dubout. Merci en l'eau. Merci José. Merci José. Donc c'est José hein, de l'ISPI à Dubout qui fait une intervention. Donc, comment dire, c'est vrai que donc à Dubout devant moi parler. Et ça, c'est bien normal que chaque monde allait exprimer pour eux, hein, parce que c'est la famille martiniquaise. La famille martiniquaise hein, qui réunit. La colère a monté. Il a sorti dehors, apparemment. Il a sorti dehors, fait que ça m'a pas ça, hein. Il a approché pour moi, ouais. Apparemment, il a tiré pour Bella, et puis il m'a dit qu'il va à la place pour Bella. Il a allé pour moi, ouais. Monsieur. Donc je répète hein, pour les gens qui prennent mon direct à l'instant. Donc depuis 14h, hein, je suis devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France où 7 de nos frères étaient convoqués cet après-midi pour répondre à leur militantisme hein, face à l'empoisonnement au chlordécone. Et puis bien sûr, les frères étant convoqués, il y a eu des appels de plusieurs associations, de plusieurs syndicats, mais aussi de plusieurs mouvements politiques, notamment le mouvement politique Moon, qui avait appelé effectivement à venir soutenir ces jeunes. Donc on est live depuis cet après-midi, effectivement. Eh bien, on a trouvé les portes fermées. Donc les gens ont voulu entrer, on les a empêchés d'entrer. Gaz lacrymogène, donc bien sûr, ils ont essayé de forcer. Gaz lacrymogène. Et puis les avocats sont sortis pour nous dire que les avocats sont venus nous dire qu'ils acceptaient que 30 personnes entrent. Mais on n'a pas accepté que 30 personnes entrent. Non, j'allais faire nous évacuer. J'allais faire nous évacuer. On a voulu effectivement que l'audience soit publique et non pas qu'elle soit une espèce de huis clos ni public ni privé. Et puis voilà, et depuis ça, les gens ont voulu effectivement forcer l'entrée parce qu'ils voulaient rentrer. Pas ni de raison qu'en audience publique ni privée parce que simplement nous descendons en masse, nous descendons en foule. Et donc depuis ça, donc, nous avons assisté à des scènes de guerre. Il suffit des gaz lacrymogènes qui ont volé à tout le monde. Qui a blessé. Et puis, en l'autre, la police nationale qui entravait pour empêcher le monde de passer. Voilà. Donc là, en l'autre, pompier arrivé, même si c'est qu'il est venu pompier, pompierisé. Ça veut dire qu'il est pris de l'eau, on va savoir. En tout cas, il y a un autre pompier qui arrive. On va aller regarder. Alors, c'est vrai que. Donc, allez, c'est métier comme en face tribunal là, bon, qui s'est passé.
Il y a une raison, moi, devant le lieu public, moi, devant le public, un bâtiment public, que l'impôt, moi, qui a payé, que moi, je ne peux pas être devant. C'est ça, quand même assez extraordinaire. Hein? Qui ça, c'est mon petit quoi? C'est mon petit quoi quand nous avons quitté frère, nous? Cette frère, nous, accusée comme ça? Que vous êtes venus comme ça, le bon matin, prendre les vents, capon nous, météo, en garde à vue. Vous êtes capable de nous accepter ça sans fin. Vous pas savoir que vous êtes mettre la population en éveil en émoi. Vous n'êtes pas savoir ça. Mais ça arrive les autres. Hein? Et c'est en éveil, c'est en réveil. C'est la famille humaine martiniquaise qui a levé. Oui, je regarde, merci. Ah, ça m'a aimé, c'est comme ça que c'est ce que j'ai fait pour l'autorité. Hein. Mais pourquoi nous ne savons pas? Alors que vous avez convoqué sept de nos frères, pourquoi est-ce que le palais est fermé? Pourquoi est-ce que vous avez empêché à des Martiniquais qui étaient venus porter soutien à leurs sept frères injustement convoqués? Pourquoi est-ce que vous avez? Vous n'avez pas les temps de nous? Vous n'avez pas les temps de voir nous? Il faut que vous sachiez que de plus en plus vous êtes temps de voir nous. Vous avez gardé l'arrière pour l'état l'arrière qui garde la chromogène, hein? Pas qu'un peu, hein? Je suis donc
devant le tribunal de Grenelle sans effort de France. J'ai les yeux qui coulent, le nez qui pleure. Le nez qui coule, les yeux qui pleurent, la gorge pratiquement difficile à parler parce que j'ai des habitudes tellement de lacrymogènes parce que je peux absolument me voir ce qui est en train de se faire. C'est une vraie scène de guerre. Je répète, si vous avez le temps de venir nous rencontrer, venez nous rencontrer. Je n'ai jamais vu ce genre de scène en Martinique. Je n'ai jamais vu de telle scène en Martinique. Pour simplement défendre, venir soutenir. Les gens se sont repliés là où je suis, se sont repliés là, un petit peu plus haut. Et tu as fait la grimace basote. Les gens se sont repliés. C'est Gaza qui nous gêne dans les autres, qui a fait mal, qui a plié. Alors, je suis devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France. Donc, sept de nos frères avaient été convoqués cet après-midi pour répondre à des accusations de violence, hein, simplement parce qu'ils militaient pour que on arrête de nous empoisonner, de nous couillonner sur le chlordécone et que les véritables empoisonneurs soient montrés du doigt. Mais ces sept frères ont été sortis de leur lit manu militari, mis en garde à vue, mis en garde à vue. Et puis ensuite, mis en garde à vue. Et puis cet après-midi, ils étaient convoqués et la famille humaine martiniquaise est défendue, est descendue. Le Vatican nous faire ça. Et la famille humaine martiniquaise est descendue pour dire non, pour dire on n'est pas d'accord, pour montrer notre incompréhension, mais c'est notre soulèvement hein, face à cela. Et puis donc en arrivant, donc, on n'a pas voulu qu'on entre. Donc dans un premier temps, les avocats sont sortis pour dire que ça aurait été intéressant que. Ça aurait été intéressant que ce soit 30 personnes qui entrent parce que c'est une audience publique et qui reste. Qui reste 30 places, mais les gens n'étaient pas d'accord. Ils voulaient une audience publique, c'est ce qu'ils ont demandé. Et depuis, ben voilà ce qui se passe. Flashball, toute espèce de choses. Flashball.
gaz lacrymogène. Là, je vois une espèce de fumée. J'ai jamais vu ça pas dans les films. Donc, moi, je m'appelle, je vais filmer aussi d'azote. Hein. Mais maman, ici, c'est bon, moi, c'est une hein. Alors, en même temps, m'a caché chez Marie, parce qu'elle est pure, avec mon way. Parce que m'a caché tant que disant là aussi. Mon way, donc il a, et puis drapeau rouge, vert, noir, lui, parce que lui aussi, il a fait partie du soutien auquel il a appelé. Donc il a, on n'a pas qu'à arriver passer par l'autre côté à pour m'en... Parce que gaz lacrymogène, là, c'est la fumée bizarre là, là aussi. Le mi-bonne de... Hein. Et puis comme là, ça qui est remarquable là, c'est qu'au cas où c'est Martinique, quelqu'un le mettait devant. Et puis les restants derrière. Donc après, d'abord, c'est nègre là, il bat frais. Ça, c'est assez impressionnant. Mais je l'ai dit que je suis presque fier hein, de jeunesse dans l'après-midi. Hein. Parce que si vous avez fait et que vous avez ça vous savez. Mais il y a une sûr, c'est que vous enfin comprenez que vous ne pouvez pas continuer à quitter le vacabonnage à rouler. Le deux poids, deux mesures. Vous avez condamné des gens qui ont dit non. Hein, nous avons regardé Anissa Bertrand, on a regardé en direct l'après-midi. Attendez. Attends, alors nous avons gardé toutes les chenoux, toutes les mamans, toutes les frères, toutes celles qui sont comme ça, sans dire rien. Eh bien non, moi pour moi, ben nous avons mort l'après-midi. Hein. Donc après, il y a des gaz qui nous gênent tout partout, là, il y a pris dans la foule là, là, alors que si vous n'avez pas même devant le tribunal là, vraiment, quand vous avez monté les autres, il y a eu, alors que le tribunal n'est pas là. Hein. Le tribunal n'est pas là. Mais il y a pris des gaz qui nous gênent pas là. Donc pour disperser, c'est mon nom. En direct. Ils sont à 1072 cachoumes en direct. Mais si 1072 mon tate et puis moi là, je dirais plus chaud. Hein. Je dis aux autres que moi, simplement c'est en moment riche. Hein. Je suis 4 moun. Et moi là, double après-midi à Bayo. Parce que moi, on tente de dire que moi, ça peut se finir. Quoi. Mais moi, je ne peux pas rester impassible. Je ne peux pas quitter sa fête sans dire rien, sans faire rien, ce n'est pas possible. Toute Martinique qui attend moi après-midi, qui est un petit moment, Fort France pas loin, TCSP qui arrive, vini, descend, vini là après-midi, vini de l'autre là. C'est important, c'est important. Pas quitter nous là tout seul. Nous tout partout, on montre aux autres, une équipe en haut la mairie. Une équipe en haut la mairie. Il y a qui mettent quoi là à l'abri. Il y a les plus courageux. Alors, ça l'a qu'à montrer, ça l'a qu'à faire mon le droit d'honneur, parce qu'il n'y a pas là. Est-ce que c'est M. Teka encore qui a fait ça? Il y a les trois, la mairie, qui a fait mon droit d'honneur. Un fonctionnaire d'État, un monde qui a l'argent, nous, l'impôt, nous, qui a payé ça, les relis. Famille dégénérée, enfant dégénéré, enfant qui a perdu sa famille. Enfin, qui ne sait plus à quelle famille il appartient. Je vais descendre, je vais aller garder. Côté. Let's go!
fait ça yopé. Oui, on a fait ça yopé, mais après, vous voyez quoi. Donc, on va faire une poubelle là-bas, mais c'est typé à la poubelle là-bas. Que c'est très nombreux à suivre en direct là, mais je dis que c'est extrêmement compliqué dans moi de continuer à faire direct là en termes de gaz. Mais je vais couler ici, je vais pleurer. Mais moi, effectivement, que la population martiniquaise, en tout cas, moi, ça fait des gens qui ne peuvent pas, qui travaillent, qui ne peuvent pas, qui peuvent être capables de nous direct là, qui a simplement nous un soutien moral, qui a nous énergie aussi. Donc, je vais faire quand même vu que ça manque à vivre l'après-midi parce que ça est très, très, très particulier. Je vais rappeler simplement que nous sommes 7 frères, hein, que nous sortis du cabanio à 6h du matin, que nous menons Manu Militari au poste simplement parce que ce frère a milité contre l'empoisonnement au chlordécone. Alors, je peux dire ça, il y a les manières d'y faire. Mais manières d'y faire, c'est répondre aux violences qui ont fait nous depuis un moment, qui ont fait la famille depuis un moment. Mais la famille déplace après-midi pour la famille en quel état qui menait pour la famille. C'est dénoncé que vous partez d'accord avec ça qu'a fait. Eh bien, apparemment, c'est vous pas même d'accord avec ça. Donc, je mets la démission sortie là parce qu'il n'y a pas été. Il n'y a pas été effectivement gaz lacrymogène qui a roulé, puis je n'ai pas qu'à tout ce bagage là. Stock de ce truc, hein. C'est impressionnant. Un stock de gaz lacrymogène, c'est impressionnant. Je peux vous dire que aux yeux, ça fait mal. Hein. Putain. Faites quoi, je mange à mes régions. Hein. Je suis des admirés cet après-midi. Tout ce qu'il faut. Vous avez entendu, il y a un petit jeune qui vient de sortir de là, c'est bien là qu'il est venu chaud, je ne sais pas ce qu'il veut dire par là. Mais c'est vrai que. Macro, démission, castaner, en prison. C'est vrai que c'est chaud, c'est assez impressionnant, je vous assure. Ils envoient des gaz de partout, hein. Vous voyez, les gens sont là, le tribunal, il n'y a pas de raison pour qu'on envoie du gaz par là sur les gens. Pas de raison, parce que le tribunal est de ce côté-là, là où les poubelles sont enflammées. Le tribunal est de ce côté, mais ils envoient du gaz lacrymogène là. Vous ne parlez pas de Martinique, il y a qu'à chasser nos moustiques, aux fourmis, aux insectes. C'est assez particulier, quoi. Bon, mais quand même, vous êtes 1147 personnes qui suivent en direct. Je ne sais pas si ni qui vient entre temps.
mais je dis que ben manie confiance hein. La famille est solide après-midi hein. La famille là pour les têtes pour les épaules. La famille là en tout cas pour montrer qu'elle n'est pas d'accord. Et puis moi et puis moyen hein. Rien n'est jamais parfait. C'est un positionnement qui est assez particulier. Mais c'est une belle réaction cet après-midi. C'est un beau soulèvement. C'est une belle réponse à l'empoisonnement. C'est une belle réponse à un regain dans notre jeunesse. La famille martiniquaise est en train de se reprendre en main, d'affirmer de plus en plus son autorité. Donc c'est vrai que derrière le plus armé qui nous, puisque effectivement il y a une gaz lacrymogène à profusion depuis des années d'après-midi, c'est nous qui avons eu gaz lacrymogène. C'est les bonnes qui ont payé ça. Alors nous sommes devant le tribunal de reconnaissance de Fort-de-France. Voilà. Sept de nos frères étaient convoqués cet après-midi à 14h pour répondre à leur militantisme face à l'empoisonnement du peuple martiniquais au chlordécone. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'Alicia, je vous en prie, regardez-la et vous saurez à quel point il est urgent et important que nous nous mobilisions et que nous mettions fin à cette espèce d'exaction parce que c'est un véritable génocide de la population martiniquaise sous toutes ses formes. Alors, on l'a à l'enseignement agricole, on l'a là pour le chlordécone, donc pour notre santé, on l'a là pour la justice, enfin, on l'a partout. Disparition, génocide programmé, et M. Césaire en parlait déjà, de la population martiniquaise. Alors, vous avez dû entendre, on a dit que 16 000 jeunes, on a perdu 16 000 jeunes cette année, enfin, 16 000 jeunes. Et pour ceux qui ont entendu l'interview du docteur Jospila, on dit que d'ici 2-3 générations, eh bien, bientôt on va chercher un Martinique exactement comme on cherche un Indien. C'est-à-dire on sera certainement dans des réserves parquées en quelque part. Donc ceux qui m'entendent, voilà, le calancier là en laissé mounant, alors que c'est mounant là, hein. Le calancier en laissé mounant, alors que c'est mounant par l'autre côté, hein. Mais simplement tout bout là. Voilà. Voilà, pour ceux qui m'ont rejoint, je répète que nous sommes donc devant le tribunal de reconnaissance de Fort-de-France. Venez jeune nous, maman. Moun, venez jeune nous. C'est comme ça, moun qui a gagné le combat. C'est comme ça, hein? La famille qui a fait quoi respecter. C'est comme ça, la famille qui arrive en autorité. L'autorité dit ça y est. À nouveau, effectivement, on va chercher à ouais Marimé, on va chercher à ouais Olivier, comment ouais. Fini. Ça ouais au loin, effectivement. Thank you.
fait dire dans la fumée. Hein. Regardez ce moment-là, oui, c'est important aussi. Comment ça qui vous taille. Parce que moi, il m'a dit bien plus en retrait. Il m'a dit oui. Plus ces gens effectivement affluent, c'est bien, c'est une bonne chose, c'est une bonne chose. De plus en plus ces gens affluent, les gens montrent effectivement qu'ils ne sont pas d'accord avec ce qui est en train de se passer. Ce procès aurait très bien pu se faire avec les gens au fond de la salle, tranquillement. Ça c'est une épreuve de force, ça c'est une espèce. Ils ouvrent la porte et puis ils lancent leur truc. Hein. Ils ouvrent la porte et puis ils lancent. Mais ils font le contraire de ce qu'ils veulent faire. Parce que de plus en plus ces gens viennent. Hein. De plus en plus ces gens viennent. Et de plus en plus je vous invite, hein, vous les 1223 personnes qui êtes en train de me regarder là en direct, venez, venez, déplacez-vous, venez. Nous sommes à Fort-de-France, quel que soit l'endroit où vous êtes, ça pourra à peine une heure vous y être. Je pense que nous serons encore. Alors j'ai une petite dame là en face de moi qui va remplir sa bouteille chaque fois d'eau, parce qu'il y a une fontaine là, je suis dans la station qui est en face de la mairie de Fort-de-France. Donc il y a une petite dame qui chaque fois va remplir sa bouteille parce qu'en fait la meilleure manière de faire d'éteindre le gaz lacrymogène, les petits trucs qu'ils nous envoient, c'est mettre de l'eau dessus. Donc elle a sa petite bouteille puis elle les arrose. Donc je m'approche à nouveau, même si le petit jeune m'a dit tout à l'heure de ne pas m'approcher trop près, mais il m'a les fait se trouver ça m'a carré aussi. Moi, les fois, je trouve ça m'a carré aussi. Donc là, écoutez-moi passer, fais-moi un petit sourire, écoutez-moi passer. Mais moi, ça veut dire qu'il y a un vini de moi, sorti là. Il y a un vini de moi, sorti là. Donc, moi, je trouve ça m'a carré. Mais je ne suis pas carré. Je ne suis pas carré, Marie-Moi. Voilà, il veut faire du fait appris. Il veut faire du fait appris. Il n'y a pas besoin de moi. Mon carré de l'épisode commence devant le tribunal de l'instance de Fort-de-France. Hein. Martinique, hein. Mon Martinique, hein, maman. Hein. Donc, il est allé faire pour ce petit jeune qui est là, courageusement, qui a battu son bouillot. Et puis, en chanson que vous connaissez, hein, que les ministres connaissent, chez nous, lundi. Ce truc, hein. Ça, c'est qu'ils font, hein, les chiens. Voilà, je suis devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France. Là, ils sortent en masse. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Là, ils sortent, je vais les voir courir à l'intérieur.
parce qu'ils vont faire. Jeune et qui très courageusement, hein, ils sont en train de danser devant les gendarmes. Et puis la force tamboua, c'est tamboua, mine de rien, sans force. Professeur Toyo. Parce que entre la fumée, entre gaz lacrymogène, entre roches, je m'en ai fait un truc, ça m'a gâché. Et si je me vois justement, je m'attends. Assez de sang, je vous aime bien, mais on peut plus quoi. Je sors.
c'est des coups de feu, je vous avoue que je ne sais pas trop. Et ils sont parvenus effectivement à ouvrir la porte hein, pour montrer le chemin de liberté, hein, comme toujours, ouvrir la porte. On va dire que la porte est trompée, le chemin de liberté est ouvert. J'ai entendu peau, mais je ne sais pas ce que c'est. Là encore, je ne sais pas ce que c'est, je vous avoue, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce qu'il tire? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils essaient de faire peur? J'en sais rien. Ça ne fait qu'exacerber la population, hein. Ça ne fait qu'exacerber les gens. Je ne comprends pas qu'on puisse donner aux gens l'ordre, parce que ces gens sont fort définitivement sous ordre. Hein. Je ne comprends pas qu'on puisse donner aux gens l'ordre de faire ça. Je ne comprends pas. Qu'un État dit de droit, mais c'est vraiment l'État du désordre. Hein. Un État dit de droit puisse ordonner, parce que ces gens-là, bon, mais ce sont des exécutants, hein, qui ne font que répondre aux ordres de leur supérieur. C'est quoi l'ordre du supérieur? De bazarder une population comme ça? C'est quoi l'ordre du supérieur? Jusqu'à ce que mon corps tape d'être dur aussi, je ne sais pas combien de temps il va durer. En tout cas, jusqu'à ce que je sois là. Mais c'est chaud, hein. J'ai mes yeux coulent de partout, mon nez coule, enfin bon. En tout cas, vive. Bravo à la personne qui a inventé le direct Facebook. Parce que ça fournit de sacrées belles. Possibilité d'information, mais surtout ça peut être des preuves hein, contre tout ce qui se fait. Moins ce n'est pour parler nous et plus nous n'y la possibilité d'affirmer l'autorité nous, l'autorité à nos amis, mais nous mettez bon bâton nous en nous pour nous pas affirmer. Je répète, pour les gens qui viennent de me rejoindre, donc depuis 14h, je suis devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France. Donc au début, il y a eu d'abord un déboulé dans la ville qui est parti de la maison des syndicats, qui est descendu donc, devant le tribunal de grande instance. Alors le but était effectivement de porter le soutien à sept frères, sortis de leur lit à 6h du matin, traînés donc, dans différentes gendarmeries, mise en garde à vue, et puis ensuite on s'est interdit de manifester devant les centres commerciaux, et puis convoquer tous les sept aujourd'hui, cet après-midi. Donc effectivement la famille humaine a entendu cet appel, a entendu ce cri, et pour venir en soutien à ces sept frères, donc la famille humaine est descendue dans la rue ce matin pour leur porter soutien, sauf qu'en arrivant devant le tribunal, la porte était fermée, et on essayait de filtrer, et même les témoins, comme Guylaine Sabine qui a témoigné d'ailleurs sur le Facebook en direct, même les témoins qui étaient convoqués ne pouvaient pas entrer. Donc, Maître Germani est sorti un moment pour dire qu'il restait 30 places, donc je ne sais pas trop pourquoi il restait 30 places, mais que 30 personnes pouvaient entrer pour assister au procès. Mais les gens ont dit qu'il n'était pas question qu'ils fassent un procès à huis clos, puisque ça n'était pas prévu, ils n'étaient pas d'accord, ils ont dit procès public, point. Donc, et puis voilà, et depuis ça a dégénéré. Donc, lancement de gaz lacrymogène, j'en ai déjà pris plein la gueule, j'ai le nez, la bouche, les yeux qui coulent. Mais je voulais quand même vous voir faire assister à ce que j'ai vu, à ce que je vois. C'est à quoi je participe. C'est quelque chose de fou.
c'est quelque chose d'absolument incroyable. Mais en tout cas, c'est une belle prise de conscience, c'est un beau sursaut de réveil, c'est une belle réponse qui est donnée et qu'il faut qu'ils maintiennent, parce que de toute façon, le procès n'a pas eu lieu, n'aura pas lieu certainement, mais vous pensez bien qu'ils vont trouver des astuces. Ils vont trouver des astuces hein, pour essayer de juguler, essayer de trouver de quoi faire, faire de cette manifestation, soit quelque chose en notre défaveur. Convaincre en tout cas la population qui n'a les informations que via certains médias, lui faire comprendre que c'est une bonne de voyou de vagabond qui a l'air, qui empêche que la justice fasse son devoir, alors que à ce à quoi on assiste, c'est une véritable oppression de la famille martiniquaise. Et il est temps enfin que cette famille martiniquaise affirme son autorité. Ça n'est pas possible que cet après-midi, je descende à Fort-de-France pour porter mon soutien à 7 jeunes frères qui sont convoqués et que je puisse trouver ça en face de moi. Je prenne le temps de lacrymogène dans la gueule. Mais c'est quoi ça? Ça n'est pas possible. Moi, je devais être tranquillement, librement entrer, présenter ma pièce d'identité et entrer assister à ce procès. Pourquoi est-ce qu'on nous a donné cette réponse? Qu'est-ce qui se cache derrière cette réponse que nous a donné les forces de l'État? Bon, ben, l'autorité martiniquaise s'affirme et majoritairement les jeunes cet après-midi. Et j'espère que ça va tenir, ça va se tenir et qu'ils comprendront qu'enfin l'autorité de la famille humaine s'affirme et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Voilà, donc nous sommes là. Alors certainement, les avocats vont peut-être faire des déclarations plus tard hein, pour dire ce qui s'est passé. Nous allons notamment interroger Dominique Monotica, qui me semble l'avocat de quelques prévenus, deux, trois ou quatre, je crois, pour savoir exactement quelle suite accorder à ça. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que ça ne sera pas facile, on ne va pas lâcher facilement. Alors j'ai demandé effectivement, et depuis cet après-midi, que tous ceux qui peuvent venir nous rejoindre, hein, parce que c'est ensemble, et puis la population, et puis la force, que c'est mon nom, ouais, que nous pas d'accord. C'est vrai que nous nous l'après-midi, hein, mais si 1000 mounes encore descendent, il est encore meilleur. Et ça c'est une manière pour affirmer que nous derrière ça nous a dit. Donc, merci de présenter vous. Je vois beaucoup de commentaires, je vous avoue que les commentaires, je ne peux pas les lire. Hein. Je vous avoue que je ne peux pas les lire parce que je suis sous le soleil et que de toute façon, le faux jour que ça a pris sur le portable, je n'arrive pas. Donc, les informations, j'essaie de vous les donner au parcours. Je vous dis ce que je ne suis pas reporter ni journaliste professionnel. C'est de manière spontanée, très fraternellement, très filialement, que j'essaie simplement de vous dire ce que je vois sous mes yeux et pourquoi je suis là cet après-midi. D'accord? Donc, de nos frères qui étaient convoqués, sept frères sortis manu militari de leur lit à 6h du matin, dans des conditions extrêmement difficiles, hein? Et puis, quand on est venu leur porter notre soutien, hein? La famille est venue porter soutien à leur famille, à leurs frères, voilà la réponse. Mais heureusement, nous avons des jeunes résistants. Mais c'est vrai qu'en termes de gaz lacrymogène et puis de fumigène, hein, je crois qu'on appelle ça fumigène, une espèce de fumée rouge, bleu, blanc, verte, enfin bon. Qu'on nous a fait sortir et puis de temps en temps ils sortent, hein, comme si c'était en guerre, comme si nous étions, je ne sais pas moi, dans quelques pays en guerre, et qu'ils devaient répondre à des armes alors que d'armes nous bannissent. Hein. Mais, ok, finit par trouver ça au cachet-cher. Hein. Les gens se sont dispersés un petit peu à droite à gauche. Hein. Le gros de la population s'est mis de ce côté-là, simplement parce que bon ben c'est là où je suis, c'est un petit peu plus compliqué. Vous avez dû voir que pendant plusieurs fois, un jeune est venu me dire de sortir de là parce que c'était dangereux. Et puis c'est vrai que quand on n'est pas protégé pour le gaz lacrymogène, ça fait très 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 mal.
Donc j'ai reçu plein la gueule. Mais je voulais absolument que vous assistiez hein, à ce qui est en train de se passer. Je vais essayer de me rapprocher de mon mari pour voir ce qui est en train de se passer, s'il vous plaît. Je vois que le jeune est toujours en train de frapper son tambour et je trouve que c'est une chose excellente. Donc je me rapproche de lui. Si vous ne voyez plus rien, c'est que j'ai avalé trop de gaz lacrymogène. Il ne reste pas beaucoup de voix. Voilà, donc je m'approche d'eux. Alors, je ne sais pas ce que j'entends, c'est des coups de feu. Je vous avoue que je n'en sais strictement rien. Au cœur de la chose, mais ma carte dit que ma patte est brave et les coups de trucs que j'entends là, je sais pas ce que c'est, je sais pas, ça doit pas être des coups de feu, mais c'est comme oulala, les gammes de gaz lacrymogène là, donc ça, je vais sortir dedans parce que j'en ai déjà assez pris. Donc je vais sortir dedans parce qu'il l'envoie dans tous les sens. Là, ce robinet là, il sert. Hein? Il sert à tout. Partie justement des frères qui étaient convoqués cet après-midi. Il n'a pas eu le temps de courir aussi vite que moi en voulant justement écarter le truc de la chimogène qui me tombait dessus. Donc en fait, il n'y en a plus dans la gueule. Thank you.
Donc voilà. On entend des choses assez extraordinaires. Hein. Je ne sais pas ce qu'il pète là en fait. C'est un truc qui fait beaucoup de bruit en tout cas. Je ne sais pas ce qu'il pète. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce débordement là, cet excès de violence. Je ne comprends pas ce débordement, je ne comprends pas cet excès de violence. Je ne comprends pas que, qu'une population soit venue soutenir des frères qui sont incarcérés, qui étaient convoqués. Je ne comprends pas. Et puis qu'on façonne ça, je ne comprends pas. Regarde, le petit jeune est allé là, tranquillement. Et on lui lance au moins une douzaine de gaz lacrymogènes dans la gueule. C'est quoi ça? Mais c'est quoi la réponse? C'est quoi le message? Alors je répète, hein, pour les gens qui ne savent pas, donc depuis 14 heures, je suis effectivement devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France, donc la rue principale de Fort-de-France, capitale de la Martinique. Et j'étais venu tout simplement porter mon soutien à cette frère qui était convoquée après être sortie manu militari de leur lit à 6 heures du matin, traînée en gendarmerie, ensuite en garde à vue. À qui on avait interdit de manifester devant les centres commerciaux. Ils étaient convoqués cet après-midi et moi, simple martiniquaise, sœur martiniquaise, en solidarité avec mes frères martiniquais, mes sept frères martiniquais, j'étais simplement venu leur porter mon soutien. Puis face à moi, je retrouve ça. Des jeunes hommes qui me lancent du gaz lacrymogène dans la gueule, des espèces de boum, 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 je ne sais même pas quoi ça correspond. C'est des coups de feu, c'est des balles à blanc, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Puis des gens qui sont là, on aurait dit qu'ils sont prêts à, je sais pas, j'ai l'impression qu'on est en guerre, alors je vous les montre, hein, parce que je vais essayer de faire, voilà, ils sont là, cachés, attendez, voilà, ils sont là, vous les voyez là, ben ils sont là, cachés, là, prêts à, je sais pas, prêts à bondir sur qu'ils me respirent dans les mains, hein. Attendez, les gens pensaient quoi, qu'on serait venu là, à ça. Je ne comprends pas ce qui est en train de se passer là. Je ne comprends pas ce qui est en train de se passer là. Je ne comprends ni l'objet, ni le pourquoi, ni le message, ni l'intention. Pour cette qui est faite tranquillement, nous avons peut-être montré des accords ou accords et puis ça qui fait. Et puis là, ben là, ils ont fini. Peut-être aller là, tout le monde est entré. C'est qui sa réponse à ça? Ça, c'est mon café là. Je ne peux pas comprendre. Si on ne peut pas comprendre, vous avez un message pour moi. Parce que je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre. Alors, moi, je crois que c'est 1676 personnes qui suivent moi, mais je suis un peu fait la moitié de descendre, maman. Hein? Parce que je suis dit que je pense que c'est un après-midi à la RIA là. Hein? Il y en a RIA là. Hein? Les choses calmes, tu vois, moi qui ai rapproché pour montrer notre l'état à la RIA, peut-être, hein, moi qui ai montré déjà l'état à la RIA. Le gaz lacrymogène, ça, c'est bien, là, il n'y a pas des espèces de petits bombes. Le gaz lacrymogène. Et puis là, serré, ma soeur qui a serré, serré pour faire. Thank you.
Oui, alors les maris t'es pas laissé parce que bon, ma camouche est gazée, lacrymogène. Je crois qu'il commence à paniquer. Hein. Là, je crois qu'il se sent. Là, ils éteignent le feu. Nous sommes en Martinique, lundi 13 janvier 2010, 2020. Lundi 13 janvier 2020, nous sommes en Martinique. Et cet après-midi, on avait 7 frères qui étaient convoqués au tribunal de grande instance de Fort-de-France. Et bien sûr, beaucoup d'associations, beaucoup d'organisations syndicales. Des mouvements politiques ont appelé effectivement à venir soutenir ces frères-là pour que leur intégrité, mais aussi le combat qu'ils mènent, soit respecté. Et puis, la famille martiniquaise s'est déplacée très courageusement. Moi, je suis arrivée à 14h en espérant que j'aurais franchi la porte tranquillement, présentant ma pièce d'identité. Sauf que j'ai trouvé une porte fermée, complètement fermée, filtrée. Ensuite, et puis des personnes furieuses hein, de voir qu'effectivement on avait réduit cela effectivement à une espèce de guerre. Donc ils n'étaient pas contents du tout. Et puis depuis, mais voilà ce à quoi j'assiste. Depuis, près de je ne sais même plus quelle heure il est en fait. Hein. J'ai donc du gaz à que j'aime faire la gueule depuis un moment. Sauf que je ne suis pas certaine que c'est comme ça que l'on résout un problème. J'ai les yeux qui pleurent. Mais en même temps, j'ai un coup de feu sur mon mari. Parce que là, il est sereinement avec son drapeau rouge vert noir face au tribunal de grande instance. Et je veux pouvoir, quelque chose à ce qui va se passer, pouvoir d'une certaine manière être non loin. Et vous faire assister en même temps.
Mon étonnement, hein. Au début, en fait, pourquoi? Parce qu'il y a des coups de feu, mais il y a un jeune qui m'a dit de ne pas m'en faire, que c'est des flashballs. Des flashballs, donc voilà. Donc j'ai un petit peu moins peur, mais ça n'a pas encore empêché que de temps en temps, ma calée, là, c'est compliqué avec les gars de la coumé jeune là, c'est compliqué. Là, je me suis mise dans l'encadrement d'une porte comme ça. De monter. Voilà, je vois Olivier, il est debout là. Je vais essayer de m'approcher de lui, au moins le voir de dos. Je ne sais pas si c'est bien que je te vois. Je vais essayer de monter. Je vois un petit peu ce qui se passe plus haut. Je les entends chanter. Effectivement, parce que les gens se sont rassemblés un petit peu plus haut. Je vais monter. Donc je rappelle que je suis devant le tribunal de renaissance de Fort-de-France depuis 14h cet après-midi, comme beaucoup de Martiniquais. Donc j'étais venue simplement porter mon soutien, avec ma présence physique aux sept frères. Aux sept frères qui étaient convoqués cet après-midi. Donc moi je pensais tranquillement en tout cas avec ma pièce d'identité pour assister à un procès. Sauf qu'en arrivant, la porte était fermée, plus filtrée. Et puis, Maître Germani est sorti un moment pour nous dire que... que 30 personnes pouvaient entrer, sauf que les gens disaient qu'ils n'étaient pas d'accord, qu'il ne s'agissait pas d'un procès à huis clos, qu'ils ne voulaient pas d'un procès à huis clos. Depuis, on assiste à cette scène. Donc, j'ai changé un petit peu d'espace, je me suis mise un petit peu plus au niveau de la mairie de Fort-de-France. On voit quand même qu'il y a pas mal de personnes rassemblées, pas mal de personnes. Ils sont là, mais en fait, ils sont pas au cœur de la chose, hein, comme j'étais tout à l'heure. Donc, je suis de l'autre côté, donc les gens sont rassemblés là, ça va être peut-être un petit peu plus sécurisé. Même si tout à l'heure, je les ai pu envoyer des bombes lacrymogènes. Voilà, donc les gens sont là massivement. Et il y a un grain de pluie qui va tomber. Voilà, donc devant le tribunal de connaissance de Fort-de-France. Donc vous pouvez venir nous rejoindre, vous avez le temps de venir nous rejoindre. Je vais essayer de m'habiter parce qu'il pleut. Le feu. Bonjour,
Tribunal de Gonesse de Fort-de-France, lundi 13 janvier 2020. Une simple convocation de cette jeune frère pour répondre d'actes de militantisme suite à l'empoisonnement au chlordécone et puis des réponses au gaz lacrymogène, au flashball, au fumigène. C'est la Dieu qui l'a, monsieur. Amisote qui l'a. Ah bon? Amisote qui l'a. Il va bon. La même plus mon diamant, mon ça. Il est ça. Là-bas. Oui, alors, j'essaie de voir quelle heure il est, mais je ne vois pas quelle heure il est, donc je vais certainement arrêter le direct. Donc, je répète que je suis devant le tribunal de Gonesse sans effort de France depuis 14h cet après-midi, où sept de nos frères étaient convoqués pour répondre à leur militantisme contre l'empoisonnement au chlordécone de la population martiniquaise. Et puis la famille martiniquaise s'est déplacée en masse simplement pour porter leur soutien. Sauf qu'en arrivant, la porte était fermée. Après, il y a eu un filtrage. Après, M. Germani est venu avec Garcin Malsa, est venu essayer de convaincre les gens qu'on laissait entrer 30 personnes. Mais les gens ont répondu massivement et collectivement non. Tout le monde entre, sinon personne. Et qu'ils voulaient un procès public, pas un procès à huis clos. Et voilà, et depuis, ça donne ça. Il y a un avocat qui vient. Donc je vais essayer de vous faire écouter ce qu'il dit. Je vais essayer. Apparemment, même l'avocat n'a pas pu changer les choses. Je voulais vous faire écouter, mais ça a donné ça. Ça a donné ça. Mais j'ai encore reçu ma dose de lacrymogène dans la gueule. Et je retourne là où j'étais. Et je voulais vous faire écouter ce que l'avocat a dit, mais il faut faire l'avocat prendre la parole.
Je ne sais pas exactement quoi. C'était comme après, mais ça va être mon mari, mais je ne suis pas sûre. Donc, ça n'est qu'une supposition. Enfin, ça lui ressemblait, mais je n'en suis pas sûre. Je crois que les gens sont bien prêts à être respectés. Les concessions sont de façon finie. Les pourparlers. Je crois qu'il y en a un là. Je vais essayer d'écouter ce qu'il dit. Je ne suis pas sûr, hein. Il y a tellement de gens autour. Oui, c'est bien ça. C'est donc bien Edmond Mariette qui est sorti et qui essaie de parler. Je vais essayer de vous faire écouter ce qu'il dit. Ceux qui ont décidé d'organiser un tel blocage de Colombe Palais de Justice d'être à l'origine des incidents de ce jour. Merci beaucoup. Ah, c'est bon. Ouais, bonne chance. On entend différentes choses, mais grosso modo ce que j'ai entendu, hein, l'avocat dit effectivement que les véritables responsables, ils condamnent effectivement le fait que la porte du tribunal était fermée cet après-midi. Globalement, c'est ce que j'ai retenu. Maintenant, dans le détail, je pense que vous entendrez ça, parce que si Martinique première passe la chose, comme elle se doit, vous devez entendre l'intégralité de ce tribunal. Mais grosso modo, c'est ce qu'il a dit. Le fait que le tribunal, les portes du tribunal étaient fermées cet après-midi, ça n'avait pas. Et grosso modo, ils sont un petit peu les instigateurs de ce qui est en train de se passer. Hey, hey, hey.
c'est ça. Donc, je vais descendre voir en bas ce qui se passe. Et puis, c'est toujours compliqué de descendre parce que le lancement de transport et puis de gaz lacrymogène. Enfin, ça continue de plus belle. On continue à lancer le gaz lacrymogène, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Je comprends rien. Il y a bien plus de paroles et puis après la mienne. Nous sommes en Martinique, devant le tribunal de reconnaissance de Fort-de-France. J'ai répondu à l'appel au soutien de cette jeune, de cette frère qui était convoquée aujourd'hui pour répondre de leur militantisme face au problème de l'empoisonnement au chlordécone. J'assiste à une véritable scène de guerre, flashball, lacrymogène, fumigène, de manière impressionnante. C'est hallucinant. Je ne sais pas quel est le message. Je ne sais pas quelle est l'intention. Mais c'est extrêmement grave. On continue à lancer les gaz lacrymogènes comme ça sur les gens. Pourquoi? Pas qu'un peu, hein? Ils ont monté de plus en plus, je pense qu'à un moment donné, ils vont arriver dans le marché de l'asile, hein, alors que nous sommes dans le tribunal. Vous avez plus de 1800 personnes, 1803 personnes à me suivre en direct. Je crois effectivement que depuis que j'ai lancé l'appel, il y a quand même pas mal de personnes encore. Hein. La foule s'est bien épaissie, bien agrandie. Mais je vous dis, n'hésitez pas. Hein. N'hésitez pas. La réponse au chlordécone, je crois qu'elle est là cet après-midi. Elle est là dans la rue. Elle est là face au tribunal de reconnaissance. Je ne comprends pas que... Je ne sais pas à quoi les gens s'attendaient cet après-midi. Je ne sais pas pourquoi est-ce que les gens ont cru à un moment dans leur tête que convoquer 7 de nos frères devant le tribunal pour qu'ils répondent de leurs actes militants, qu'ils ne s'attendaient pas à ce déferlement de la famille humaine sur le tribunal de reconnaissance. Eh bien, ce déferlement-là, eh bien, il a eu lieu. Et là, le positionnement est clair, assuré, réaffirmé, densifié l'autorité martiniquaise, l'autorité en tout cas de la famille martiniquaise. Thank you.
Ben, je vous dis, la population, les gens là sont majoritairement des jeunes, encadrés effectivement par quelques aînés militants. Mais c'est d'abord une réponse jeune qu'on a là cet après-midi. Et c'est assez interpellatif. Parce qu'on avait l'impression effectivement que on était dans une espèce de passivité. On avait l'impression qu'on était dans une espèce de passivité. Alors, les réponses peuvent être discutées ou pas, les formes peuvent être discutées, les modalités peuvent être discutées ou pas. Mais généralement, quand on vous oblige à intervenir, vous intervenez avec ce que vous êtes. Ce que spontanément vous avez, vous êtes à ce moment-là. Je vais peut-être arrêter le direct, donc je répète que depuis cet après-midi 14h, donc je suis devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France, je suis donc à Martinique. Sept de nos frères étaient convoqués cet après-midi au tribunal de grande instance de Fort-de-France. Ils devaient répondre effectivement de leurs actions militantes concernant l'empoisonnement du peuple martiniquais au chlordécone. Et la population, la famille martiniquaise s'est dépassée massivement pour venir le soutenir. Sauf qu'en arrivant devant le palais, devant le tribunal de grande instance, les portes étaient fermées et ensuite filtrées. M. Germani est venu d'un premier temps essayer de négocier le passage de 30 personnes, mais les gens n'ont pas voulu. On dit qu'il n'était pas question d'un procès à huis clos, mais bien d'un procès public. Et depuis, mais les réponses que l'on a, c'est les gaz lacrymogènes, c'est les flashballs, c'est les fumigènes, etc. Donc je vais certainement donc vous laisser, en tout cas. Là, on est à Fort-de-France, donc les choses sont ce qu'elles sont. S'il le faut, je vais peut-être revenir vers vous. Mais pour l'instant, j'ai appelé, j'ai demandé. Je souhaite, en tout cas, que d'autres Martiniquais, d'autres personnes de la famille humaine nous rejoignent. Donc les gens se sont massés un petit peu plus haut de la mairie parce qu'ils sont gazés au gaz lacrymogène. Et je vous assure, pour en avoir reçu quelques-uns dans la gueule, c'est extrêmement fort. Donc voilà. Okay.
cocktail Molotov à Tierra Hugo. Alors on a eu Edmond Mariette qui est sorti un moment, il y a peut-être une dizaine de minutes, pour dire qu'il condamnait le fait que les portes du tribunal étaient fermées cet après-midi et qu'il condamne effectivement et accuse les personnes qui ont fermé les portes d'être des véritables exacteurs, on va dire, mais pas honnêtement, hein, responsables de ça. Donc il l'a dit. Voilà. Donc je quitte le direct. Et puis peut-être que je vais. À tout à l'heure, tout le monde. Et puis, Magadi Zot, nous devons grand tribunal de grande instance Fort-de-France en soutien à ces sept frères qui étaient convoqués jeudi. Donc, Zot, nous t'en venons jeunes. À tout à l'heure.